Amoureux des chats, Ronan est à la recherche de son futur animal de compagnie. Il est déjà venu plusieurs fois au refuge et s'est préparé à l'arrivée d'une petite boule de poils. On a vraiment envie d'avoir le coup de cœur, mais du coup, on nous a déjà donné des indications sur certains chats, on nous a déjà dit comment faire. Voilà, après, derrière, nous, on s'est renseigné, on a aussi acheté des bouquins. Un très bon réflexe, car l'adoption d'un animal ne doit pas être prise à la légère. Mieux vaut éviter les coups de tête. Il faut absolument que les gens prennent conscience que ce n'est pas un objet. Ils doivent organiser leur vie avec l'animal. Et pour ça, l'un des points importants, c'est de bien choisir le type de chat ou de chien à adopter. Pour aider les futurs maîtres, chaque animal dispose ici d'un petit carton de présentation. Les membres de la SPA sont également là pour les aiguiller. Un chien qui est un petit peu énergique, encore un peu brut, etc. Des fois, on va déconseiller, par exemple, les enfants en bas âge pour éviter qu'il y ait des chutes ou des petits désagréments. Donc voilà, on va adapter un petit peu le type de conseil au type de chien. Des conseils qui semblent entendus par les visiteurs. On voulait voir le chien Loutchek. Ils nous ont dit attention, il faut être là la journée, ça demande vraiment beaucoup d'attention. C'est vrai que nous, comme on travaille la journée, c'était peut-être pas forcément le chien qui nous correspondrait plus. Le refuge de Carquefou accueille près de 200 chiens et autant de chats, des animaux qui attendent une nouvelle famille pour la vie.